Est-ce que yon dengo zalawa déjà aux zones fils qui étaient immense oyo pour na ko bondi ata pour na mboka na bi. Priez même pour ton pays, pour votre pays. Ne fiche qu'une minute, yo sala yango. Mais s'il faut critiquer, s'il faut insulter, tu es la première personne. Parce que tu n'aimes pas ton pays. Alors quand tu n'aimes pas ton pays, qui va l'aimer plus que toi? Si toi-même, citoyen, une citoyenne, que tu ne parviens pas à prier pour ton pays, alors qu'est-ce que ton voisin va faire pour ton pays? Il va faire de n'importe quoi. Cela veut dire, la vie, dans la vie, il n'y a pas l'erreur. Dans la vie, il ne faut pas dire que Dieu avait fait l'erreur. Pourquoi n'a-t-il pas été un Congolais? Pourquoi n'a-t-il pas été un Israélite? Pourquoi n'a-t-il pas été un Mboka? Pourquoi je suis né dans ces pays? Pourquoi moi j'ai eu ces peaux? Pourquoi moi je suis noir? Pourquoi moi je suis métis? Pourquoi moi j'ai cette race? Malgré ta couleur de peau, malgré ton identité, il ne faut jamais les haïr. Il ne faut jamais le rejeter. Parce que tu es dans le chemin que Dieu t'avait placé. Que tu devais toujours être là. Ne fais pas un mauvais choix d'insulter de là où tu viens. D'insulter de là où Dieu t'a ramassé. J'ai vu des hommes tels que David. Il n'a pas permis d'accepter qu'un étranger puisse insulter son pays. Il n'a pas permis un étranger puisse insulter son Dieu. Mais il y a plusieurs chrétiens, quand ils voient une personne parler du mal à propos de Jésus-Christ, ils s'en foutent. Mais il y a eu des hommes comme David, il n'a pas permis qu'un inconnu puisse insulter les dieux de son pays. Mais il y a aujourd'hui, quand vous passez quelque part, si vous voyez quelques gens en train de se mettre pour faire des débats, insulter soit un pays, même votre pays, même ton pays, à la place de leur expliquer, de leur montrer que la chose que vous êtes en train de dire, ce n'est pas de la façon que vous êtes en train de penser, tu vois, la personne va préférer même de leur appuyer pour ne pas être persécuté, pour ne pas être insulté. Alors, qui va te sauver si toi-même, tu ne te sauves pas? Ce qui est mon remilingité, c'est ce qui est mon remilingité. Pour ce qui est mon remilingité, ce qui est mon remilingité, et pas battu, parana, a un nombre de bananes, et il y a un calcul de la salade. Ce qui est là, c'est un foufou. Le bien, c'est un lipa. Le bien, c'est un loso. Mais quatrième jour, c'est-à-dire que ce n'est pas la binote. Les sungues, ça, bien aimé. Ce qui est un sungu, au boss, on a raté que les sungues, on a au luka, on trahit même. Oui, ça, on a passé, on trahit même d'après la binote. Ici, on a dit. Alors que Esther a celle-là qui a monté. Alors que David a celle-là qui a monté. Alors que Daniel a celle-là qui a monté. Alors pourquoi ne pas que tant que citoyen, et tant que moi n'amboka, et tant que moto oyo, a botam topé a kouli na kati amboka wana, tant que ma bezali, tant que il y a quelque chose qui ne marche pas, na place to lo bilayango, te remis comme il a mbonzo, te remis comme bomba. Non! C'est mieux de parler, c'est mieux à koloba tant ma bé ezali pour ma bé wana ici là. Ce qui m'ont amoni que nakati ma bé wana ya linga continuer ma bé. Il suffit à yé baké azala avec ti. C'est un peu ça. On peut pas avoir honte de prêcher et de dire la vérité biska ma bé ezali. Il faut koloba. Jésus parlait. Christ parlait tant ma zoloba était. Pourquoi vous les pharisiens, vous préférez qu'on lave les mains? Vous préférez qu'on n'y calibanda ya kalibas? Qu'on n'y calibanda, bota libanda ya bassin, yangwana, bota libanda kalibas? Mais pourquoi n'y te qu'on n'y kakati ya bassin? Il parlait de l'âme.
pourquoi encourager toi, pourquoi hein, pourquoi to pesa ba parole moko ya kitoko to flataka na bisika o makambo e marché te na bisika to zo ba ke oui nous sommes bénis mais nous souffrons. Il faut chercher comment to briser to quoi ça mir wana Jéricho ya ya malédiction to pe ya souffrance wana à la place de flatter. C'est comme si bitumbe telemi liboso a une nation. Nation monsieur était me bundisa biso. Ba biso que oh non, Exode 14:14. Garde silence, l'Éternel va combattre pour toi. L'ennemi se tient devant toi. L'ennemi a des armes. Il est prêt à t'attaquer. Oh non, garde silence, l'Éternel va combattre pour toi. Non, ce n'est pas dit quand on t'a dit garder silence, ça veut dire de rester silence, de rien faire. Non. Ça veut dire cherche à prendre cherche à prendre ta propre défense. Cherche à comment quitter ces liens. À la place de rester sans rien faire. Quand tu pries Dieu maintenant, cherche maintenant un moyen ou bien de faire quitter ou bien de quitter cet lien. C'est pas du temps au bon de lui dire ba bena bate ya kimia ye a rubundela ngai. Pour Nabiso, il ne s'est pas laissé à garder silence avant d'avoir baya baso et va toki ba kekate mutu. Non. Tant à moni ba ennemi ba zoya si sa jia ko kim et sonde ko limo. Pourquoi na vie eza na de chemin? So ki o lingi malheur, o mona malheur, so o lingi bonheur, o mona bonheur. Christ a tangi si biso. Na tango to moni ke simbate, il faut agir, il faut koloba. Il attend au ton monnaie marché. Oui, il faut encourager, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Et bien, vérité souvent, et surtout ceux qui m'ont ignorant. M'ont ignorant, sauf ceux qui c'est vérité, c'est comme si tu es en train de les critiquer. Un ignorant, quand tu es en train de lui dire des choses qui est vraiment, et qui est juste, qui est la vérité, il te voit comme si tu es en train de les citer. Tu es en train de les critiquer. Mais alors que c'est la vérité. Alors qu'il sache une chose. Si la personne t'aime, il te dira la vérité. Il te montrera quoi il faut faire pour t'en sortir de ces difficultés. Mais si la personne ne t'aime pas, il va te flatter. Quand tu es en train de souffrir, quand tu as des problèmes, quand tu t'es mal habillé, quand tu as un défaut, à la place de t'aider, à la place de porter la correction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te flatter, à te motiver. Parce qu'il ne t'aime pas. La personne qui t'aime, il te dira la vérité. Parce que c'est pour ton bien. Christ a été vendu, a été persécuté à cause de la vérité. Mais c'est la vérité qui nous a sauvés. Si tu veux aujourd'hui, au bikisa, au sauvé, au salélo, au moko, il y a ma lampe, il y a ma lampe, il y a ma lampe, il faut ébélo kumoko la vérité. Chema malam de yangwana. Cela veut dire, tant que l'eau que ce marché était, toti kananou. C'est comme si, moutou, batubazana, c'est comme si na kolobanim. C'est comme si, batubazo bomana, ya. Batubazo tiyana va poison. Na kati et tonga nan zambi. Mais au moni, orateur a télé mazolo ba ete. Na kati ya itonga oyo bolingweza ya makasi alokuta amuyibi aza un blasphémateur. Les choses ne marchent pas parce que ma gamozo marche. Non. Oui, quand tu vite au travailler, tu au bosser, là on met la foi. Mais quand on ne marche, quand ça ne marche pas, il faut pas tomber misa maloba moko sukali. Pourtant, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Esther a lâché quitté. Nous avons David a lâché quitté. Nous avons dit Daniel a lâché quitté. Nous avons dit Christ a lâché quitté.
Christ a bandé qu'au juger. La vérité, ce n'est pas qu'au juger Moutou. Hein? Tant au bitolo.